Madame la Présidente, mes chers amis ashrafiens et sympathisants des ashrafiens, mesdames, messieurs, je suis très honoré de pouvoir participer à cette cérémonie pour les martyrs de la résistance iranienne, tombés le 26 décembre, victimes de la lâcheté des Nations Unies et des États-Unis, qui ne les ont pas protégés et qui n'ont pas insisté pour une enquête sur les précédents massacres qui ont avisé Ashraf et Liberty, notamment terribles crimes contre l'humanité survenus le 1er septembre dernier, au cours de lequel 52 militants iraniens ont perdu la vie et 7 autres ont été pris otages. 6 otages étaient des femmes, et nous n'avons toujours pas d'informations sur leur sort. Vous avez, Madame la Présidente Rajavi, alerté à maintes reprises la communauté internationale sur les dangers qui vivent les Ashrafiens. Une grève de la faim héroïque de 110 jours a été menée à travers le monde pour libérer les otages et pour protéger les habitants de Liberty. Ces crimes contre l'humanité doivent être dénoncés et je me joins à vous dans ce combat
pour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice et pour éviter d'autres bains de sang. J'ai appris que récemment le tribunal national d'Espagne a convoqué un des auteurs de ce crime à apparaître devant le juge espagnol. Fayaz, le conseiller de sécurité nationale du Premier ministre irakien, est ainsi visé par un mandat d'arrêt international. Il sera poursuivi de façon effective dès qu'il perdra son immunité diplomatique. Faleh Fayaz a dirigé directement les attaques et les massacres contre les camps d'Ashraf et Liberty au cours des dernières années. Je suis sûr qu'il rendra des comptes bientôt devant la justice. Je souhaite également soulever la question des blessés de la dernière attaque sur le camp Liberty. L'un d'entre eux est décédé une semaine plus tard à la suite de ses blessures. La résistance iranienne avait demandé qu'il soit transféré en Europe pour recevoir des soins appropriés. Parce que, comme vous le savez, Liberté est soumise à un blocus et beaucoup de restrictions, notamment médicales. C'est une honte de l'ONU. C'est une honte de l'ONU et des États-Unis qui n'ont pas favorisé cette demande pour le transfert des blessés et une vie aurait pu être épargnée aujourd'hui. Nous demandons que les restrictions sur le camp de Liberty soient levées, que ses habitants puissent recevoir la visite de leur famille, de leur avocat, des parlementaires et de leurs amis à travers tout le monde. Le blocus de Liberty doit cesser. Le camp de concentration ne doit plus exister. Deux autres blessés, Hassan Mohammadi et Khosro Rezaï, qui sont dans un état de santé gravissime, doivent être autorisés à être transférés immédiatement en Europe pour recevoir des soins. C'est le minimum que le HCR et l'Union européenne pourraient faire dans ce dossier humanitaire de toute urgence. En tant que secrétaire du Conseil français de culte musulman, je souhaite appeler le gouvernement français pour user de son influence dans ce dossier humanitaire. Nous pourrons ainsi aider la cause des démocrates iraniens, et des libérations de ce peuple épris de liberté. Enfin, je vous souhaite, Madame Rajavi, Madame la Présidente, mes meilleurs voeux de réussite dans ces difficiles combats et de victoire, Inch'Allah, prochainement dans cette année 2014. Merci beaucoup. رفتن ای مسافر سحر، چشمو از مسیر کل بر ندار، آینه دلو بگیر رو به افق، با تو جای پای خورشید بذار. پشت این هجرت و رفتن مقصد قافله پیدا، توی هر منزل این راه یه شهید محو تماشا. پشت این هجرت و رفتن مقصد قافله پیداست، توی هر منزل این راه یه شهید محو تماشا. سودش رفت در شب ایران Yeah.
احمد مصری رئیس شورای پیشرفت محلی بیت المقدس استان قدس فلسطین الاسم احمد عوض المصري رئيس مجلس التنميه المحليه انا احمد عوض المصري رئيس شورای پیشرفت محلی بیت المقدس هستم برای ساکنان لیبرتی و اعضای سازمان مجاهدین خلق آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم امیدوارم آنها بتوانند شرافتمندانه به کشور خود بازگردند و امنیت و سلامت آنها تامین شود انشاءالله خداوند آنها را از هر گونه توطئه حفظ کند آرزوی پیشرفت برای آنها در همه زمینه ها دارم همچنین درودهایم را به همه مجاهدین از زن و مرد و پیر و جوان نثار میکنم و انشاءالله که خدا آنها را سلامت بدارد و از هر گونه زشتی حفظ نماید و الله يسلمكم ويحفظكم من كل سوء